Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel Poirier, direct de la Web TV. Je me trouve, vous avez reconnu, derrière nous, il y a la fruiterie du Jubilé, au Jubilé. Alors, je suis avec Jean-Charles et Mathieu. On va vous parler de ce qui vous prépare au mois de novembre. Pour l'instant, que le président de l'association, est-ce que ça vous a marqué un petit peu le Covid? Parce que là, vous êtes actif, hein, là j'ai vu la pétanque, les jeux de flèches, ça a repris, mais l'année dernière, ça a été terrible. Oui, c'est très très calme, on a eu beaucoup d'annulations. On devait faire la pétanque, on devait faire Vincennes aussi, et malheureusement on n'a pas pu le faire. Cette année on a recommencé avec jeu de fléchettes, la pétanque et puis le concours de pêche. Donc voilà. J'ai vu les photos sur le Facebook, il y avait de l'ambiance. Hein. Ouais, il y avait de l'ambiance. Et toi Mathieu, à le café, l'idée c'était... fermé quasiment pendant un an, mais bon. Heureusement qu'on avait le tableau et la fruiterie pour travailler. C'est vrai que c'est nouveau, la fruiterie, c'est bien en plus. Tout le monde, apparemment... Le 24 octobre. Il y a un bon écho sur Caudry. Hein. On espère. Et on m'a dit que ça allait peut-être changer aussi. J'ai des petites... devrait bientôt changer. Un petit souris qui m'ont dit. Alors, en jouant, on va parler site d'action, parce que là, vous avez mis les petits plats dans les grands, parce que moi, j'ai déjà vu dans le Nord, enfin, dans les Hauts-de-France, des concerts de Queen, des covers de Queen. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'espère qu'ils nous ont pas pris deux, trois covers que je connais. Là, vous avez pris le top. Hein. Ouais, on a pris groupe italien, oui. Alors, j'ai vu qu'ils sont en train de faire une tournée un peu mondiale, parce qu'ils tournent un peu partout. C'est pas un chanteur sur de la musique, il y a carrément un orchestre. Oui, c'est carrément un orchestre, avec un chanteur et puis batteur, ils sont 7 sur scène, oui. Même dans les clips, mais ça on nous reproche, je crois, parce qu'il y avait même des violons sur un titre que j'ai vu qui était magnifique. Voilà, il faut. Voilà, on peut lancer un appel hein, si vous jouez du violon professionnel. Vous faites un don pour le site d'action. Alors, ça va se passer le 26 et 27 novembre à 21h au Théâtre de Caudry. Est-ce que ça se remplit bien les places? Oui, pour le samedi, il reste une centaine de places. Je pense que fin octobre, tout est bouclé. Et pour le vendredi, pareil, un peu plus, mais fin octobre, je pense que. Toutes les places sont vendues. Alors on m'avait parlé peut-être d'une troisième date. Si il y a beaucoup de demandes, le dimanche midi, on pourra refaire un concert. Oui. Alors vous avez des gros partenaires, vous avez Jean-Sébastien et Fenêtre. Mais il y en a d'autres aussi. Hein. Oui, le Jubilé. Après on a la ville de Caudry aussi qui est en partenariat avec nous et qui nous donne un bon coup de main. D'autres sponsors, je pense, je sais pas, du match. Des sponsors qui participent avec nous, il y a la Maison des Rues, il y en a plusieurs. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. J'avais vu dans la presse que vous étiez à la recherche de sponsors d'aide. Oui, c'est ça. On va faire un book sur l'explication, le groupe d'où il vient et expliquer un petit peu comment va se passer le week-end. Alors, les places, c'est quel prix? Donc c'est 30 euros le vendredi et le samedi. Hein. Pour les clients privilèges et les clients mille et une fenêtres, il y a un tarif préférentiel le vendredi. Ah oui, avec je suis client privilège. Donc c'est 20 euros les clients privilèges et 25 euros les clients mille et une fenêtres. Oui, avec un petit truc à la salle des fêtes qui va être sympa. Lui, il les vend dans son entreprise et vous, toutes les places, c'est au café. C'est ça, toutes les places sont vendues ici, le vendredi et le samedi. Vous ne vendez que les... Ah oui, les deux jours, ouais. Mais ils viennent les chercher quand ils veulent. C'est ça. Voilà. Écoutez, ce qui va être reversé au Sidaction, c'est tous les bénéfices. Les bénéfices sont reversés au Sidaction. Il y a 50 places qui ont été offertes à tout le personnel travaillant dans le milieu hospitalier. 50 places qui ont été offertes par Emilie une fenêtre. Et il y a 50 places qui vont être offertes aussi par nous, courant du mois. Oui, en plus, le tirage avait lieu hier pour les gagnants. Dans la milieu de fenêtre, ouais. Donc il faut regarder sur leur page Facebook, vous aurez les noms des gagnants. Je précise bien que ce n'est pas que les infirmières, les médecins, c'est toute personne travaillant au sein du milieu hospitalier. Avec justificatif. Oui, bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, je mettrai un lien YouTube sur la vidéo parce que je vous assure, le groupe est magnifique. Moi, je pense que vous avez choisi les meilleurs. Oui, je pense, oui. Ouais. Après, il y a un groupe américain. Il y a un groupe américain où le gars, c'est la voix de Freddie Mercury. C'est un petit peu comme notre français qui a la voix de Johnny Hallyday. Mais bon, on l'a fait venir des États-Unis, c'était un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, un peu plus cher, je pense. Mais là, en plus, il ressemble un peu à Freddie Mercury. Il y a les tenues, il y a le look et il y a la voix. Oui, c'est ça.
Bon, ben, je vous remercie. Je crois qu'on a peut-être rajouté quelque chose, c'est vous qui allez finir. Ben, écoutez, dépêchez-vous de venir chercher vos places parce que tout va partir. Il n'y en reste plus beaucoup. Après, on pourra leur prendre des photos et puis leur mettre sur le Facebook en disant vous avez loupé ça. Vous avez loupé ça, c'est ça. Oui, bien sûr. Merci à tous les deux. Prochain événement pour l'association? Pour l'instant, bah, c'est Queen. Pour l'instant, c'est le concert Queen. Et après, il y aura une sortie le 5 décembre. Donc, on met en place deux bus pour Vincennes, pour la finale du GNT. Ouais. Ok, bon, on aura le temps d'en reparler. Merci à vous. Merci. Alors, si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, comme je vous le dis à chaque fois, vous leur dites bien, ça sera retransmis sur le www.ledirect.webtv.fr. Et c'est nouveau aussi sur notre chaîne YouTube, si vous avez des téléconnectés, ça passe dessus en haute définition. Voilà, bonne journée à tous. Et ce soir, ça s'est fait tout à l'heure, on va retransmettre un match de volleyball, l'équipe 2 de Caudry.